Alors, manoir de haute flèche. Mon orque, je l'avais pas laissé ici. Ah, je t'ai laissé On là. se met en route. Suis-moi. Jusqu'au prochain combat. Ouais. Espèce d'idiot. Alors, je cherche un type qui s'appelle... qui est un noble, donc il va être sans doute au château, à tous les coups. Ou alors chez lui. Maison d'Héricourt, peut-être. Il va sans doute être dans la maison d'Héricourt, à mon avis. Mais je vais profiter que ce soit la nuit pour aller faire une petite visite à des amis, hein. T'es où mon acolyte là? Ah bah voilà. Je suis trop calme. Je préfère être à fleur de peau. Vraiment? Oui. Bon, je vais monter la Monte garde. la garde devant ma baraque. Personne là, personne là, on y va. Maison d'Advar. Alors là, j'ai un anneau à déposer sur Advar. Qui. Alors. C'est sa femme qui est pas au lit. Ah, c'est même pas sur lui que je dois le poser. C'est dans son coffre. Là, je fais pareil. Hein. Mes objets. L'anneau volé. Je le stocke. Et voilà. Doucement. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Advar. Clé de la cage? Quelle cage? Bon, non, ça m'intéresse pas. La gonzesse, elle avait quoi? Elle a quelque chose sur elle, peut-être? Je peux ouvrir le coffre à cette distance. Ouais, je te prends un pot de cheval. Et ta femme, Greta? Qu'est-ce qu'elle a, Greta? 5 pistoles. Bon, on s'en fiche de ça. Ah, il y a la petite. Bon. Bon, je vous ai laissé 5 pièces d'or. Oui, ça ira. Bon. C'est bon, maintenant tu peux me suivre. On J'ai se met fait en mes deux route quêtes. J'ai fait mes deux quêtes. jusqu'au prochain Allez, combat. oui, jusqu'au prochain combat. Toi, on Je me s'en demande ce que fiche. l'enfant Toi, on dragon peut s'en faire avec fiche. Gris Barbe de Fer. L'autre, il habite, si je me rappelle bien, là à droite. Hop là. Merde. Faut peut-être que j'attende qu'il se réveille, le mec. Il y a une autre entrée, peut-être, dans sa baraque. Maison d'Héricourt. Alors, c'est sympa sa baraque. Putain, mais c'est un château sa baraque ou quoi? Sans déconner. Ça va le noble, il est pas à plaindre. C'est si excitant quand de nouvelles personnes arrivent en ville. Je parie qu'il vous est arrivé plein d'aventures. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est cette marque noire déjà? Les deux trucs là. Vite, allez, dépêche-toi. Oh. La guilde, un endroit sûr, un endroit dangereux, une issue protégée. Interdiction d'y aller donc, d'accord. Bon ben, on va pas foutre le bordel, hein. Si le maître de la guilde, le futur maître de la guilde, s'il respecte pas les règles de la guilde, ça va pas le faire. Hein. Même si je pense que le fait de rentrer ne changera rien. Bon, il est où mon... le type? Héricourt. Il est plus chez lui à tous les coups. Imbécile. Si Lord Malaran? Stentor a une maîtrise de la théorie magique que je n'aurais jamais cru voir chez une humaine. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Même une bretonne. Bonjour. Gisli, je hein? m'appelle Gisli. Mais vous Gisli. pouvez simplement m'appeler la sœur d'Héricourt. C'est ce que tout le monde fait. D'accord. Bon, moi, je sais qui t'es, toi. Tant pis la guilde. Hein. Ça va, c'est rien.
Ouais, s'il y en a une noire, je prends une. Ouais, c'est insignifiant. Inférieur. Le bouquin voleur de vertu, je l'ai déjà. Ah, mais ça monte encore. As Yamir! Alors, une nouvelle machin. Bon, mais. Hop! Hop, hop, hop! Non, non, ils sont que deux. Bon, ben, mon pote là, il est pas là. Bah, je peux pas descendre rapide là. Tu sautes dans le vide et puis voilà. Allez, si vous voulez, marche. Hop, hop. Non, on va rester ici, pas à peine d'aller à l'étage. Inférieur. Serveur incongru. La plupart des habitants de bord de ciel. Bon, il est où, Ericur? Il je cherche Ericur. De travailler pour Ericur, mais la rétribution est acceptable. Putain, et bien sûr, cette porte, il faut qu'elle donne sur un endroit où tu peux pas descendre après. Tu peux pas sortir. Ericur, t'es où? Je suis un peu local, oui. Maison d'Ericur, ok, mais Ericur lui-même, il est où? Putain, ils me disent qu'il est à l'intérieur, oui, c'est ce con. Hein. Bon, bah là, je suis désolé, il est pas à l'intérieur. Donc, vous me dites où il est de suite. Hein. Ericur. Alors ça c'est fait, le slot douillet ça c'est fait. Eh ben affiché sur la carte, Ericur. Retournez voir Ericur, d'accord, il est au palais. C'est ça. Ah, il est au palais bleu. Allez, pêche-toi. Bon, Ericur. J'espère qu'il n'est pas ressorti pendant que moi j'essayais d'entrer. Puisse les dieux veiller. Les impériaux font du bien au commerce. Et le commerce est bon pour bord de ciel. Toi, tu magouilles tout ce que tu peux. Qu'est-ce que, où tu le fais? Tu le fais juste cette à côté du ouais. Je sais ce qu'il y a de mieux pour solitude. Et Elisif le sait. Alors, j'ai caché la contrebande à bord du slot douillet. Oui, je sais. D'ailleurs, en ce moment même, le capitaine Wolf devrait être en route vers la prison. Vous avez honoré votre part du contrat. Tenez, voici un gage de ma gratitude pour vos efforts. Faites part de mes compliments à Delvin. Dites-lui que je serai ravi de lui rouvrir toutes les portes qu'il souhaite à Solitude. Ben voilà, livre de sort de flamme, d'accord. Super intéressant. Ce que tu m'as donné. Ben. Dois retourner à la cour. Faites attention. Plus passer de moi. Ouais. Putain, tout ça pour ça. Ben. Enfin. En tout cas, maintenant, c'est fait. Donc, je vais avoir un nouvel. À la cruche percée, je vais avoir un nouvel artisan. Grâce à cette quête. Bien. Et maintenant que j'ai terminé mes quêtes de voleurs. Mes petites quêtes de voleurs, je vais continuer à en faire une petite dernière, je crois, hein, si je me trompe pas. Il m'en faut une ici à Vendôme. Allez, bien. Alors, ici, j'ai une petite quête de voleurs à accomplir. Je sais pas où. Journal des quêtes, pardon. C'est sa conviction. Non, ça s'est fait. Voilà la tire. L'anneau d'or de diamant de Silda l'invisible sur Silda à Vendôme. Silda l'invisible.
Donc c'est une voleuse, s'il a l'invisible, hein, vu le nom. Hein. Hop là. Alors y a, là, il y a une quête qui m'attend. Et c'est vu que je m'approche que je discute avec eux. Mais comme j'ai pas spécialement... Ah si. Oh merde. Elle est là, c'est bien. Bon, mais bah, avant de faire cette quête de voleur, je vais faire une autre quête. Voilà. Gardez vos distances. Que s'est-il passé ici? Notre fille assassinée, c'est Susanna du camp des Lâtres. Elle m'a servi une chope il y a quelques jours. Je ne peux pas dire que je la connaissais. Je ne vous demande comment ça, ce n'est pas la première fois? Susanna est la troisième victime. C'est toujours pareil. Une jeune fille tuée en pleine nuit, le corps déchiqueté. Est-ce que quelqu'un mène l'enquête sur ces meurtriers? La guerre mobilise toutes nos ressources et personne n'a le temps de s'occuper de cette affaire. C'est dur à entendre, mais c'est la vérité. Auriez-vous quelques pièces? Vous avez besoin d'aide? Si vous voulez nous aider, demandez à ces idiots s'ils ont vu quelque chose d'utile. Je vais examiner le corps avant que les rats n'emportent tout. Bon, bah alors, on vient de commencer le sang sur glace. Bien, Dom. Est-ce que t'as vu quelque chose, non, petite vieille? Désolé. En revanche, j'ai remarqué que le responsable n'avait pas touché à sa bourse. Donc, il n'en avait pas après son argent. Je vais continuer à préparer le corps, si vous voulez bien m'excuser. Ah, toi, t'es la prêtresse, d'accord. Ok. Vous le savez peut-être pas, mais la guilde des voleurs est de retour. Vendôme lui appartient désormais. Susanna. Qu'est-ce qu'elle a, Susanna? Ouais, je vais pas voler un cadavre. La mort est toujours une chose tragique. Ah, t'as vu ce qui s'est passé? Non, désolé. Il me semble avoir vu un homme s'enfuir, mais je ne pourrais pas dire à quoi il ressemblait. Vous auriez une petite d'accord. Merci oui. Pour cette discussion des plus plaisantes. À une prochaine fois. Bon, mais Silda. Encore un. Terrible. T'as vu ce qui s'est passé? Après avoir entendu un cri, mais elle était déjà comme ça à mon arrivée. Bien. C'est bon alors. Silda l'invisible. Ouh, elle a 500 pièces d'or. On va faire un petit sauvegarde rapide parce que j'ai vu qu'elle peut m'apprendre le vol à la tire, donc pas qu'elle est immunisée contre, mais ouais, 23% de chance de le voler. Et son or, 64. Alors j'ai réussi. J'ai rien pour augmenter mon vol à la tire. Quelques si. Septimes pour payer mon souper. Elle va m'améliorer. La charité. Talos récompense. Vous préparez un coup, c'est ça? Je veux bien vous apprendre, mais ce ne sera pas gratuit. Non, mais c'est bon, je voulais juste récupérer ça. Maintenant, je vais essayer de récupérer mon or sur toi. Merci bien. Hop. Ça aurait été bien que je change les niveaux, que je puisse... Je ne vous demande que la charité. Les dieux aiment les âmes charitables. Allez, Silda, je vais piquer mes sous. Ah, j'ai 0% de chance de voler. Pourquoi j'ai 0% de chance de voler ça? Bon, 29% de chance de voler son anneau. On va faire une sauvegarde rapide. Je sais pas. Plus si je l'avais fait, donc vous n'auriez jamais non. Dû venir ici. Ça ne marche pas, donc ben 9%. Petite vermine. Et alors, je peux pas le récupérer. Au secours. Bon, ben a priori, hein, j'ai pas le niveau requis pour le vol à la tire. Vous n'auriez jamais dû venir non, ici. Non, ça veut pas. Hein. 23%, hein, qu'on sait même pas combien on fait. Pareil, je fais du 99. Auriez-vous bon. Quelques piécettes pour quelqu'un qui n'a rien? C'est vous qui venez de l'académie, non? Mais non. J'ai parlé aux témoins. Personne n'a rien vu d'utile. Cette vermine s'en est encore sortie. Il doit y avoir plus que ça. Si vous voulez bien me laisser vous aider. Écoutez, si vous pensez pouvoir faire mieux qu'une légion de gardes, je vous en prie. Mais vous devez d'abord parler à Jorlef. On ne peut pas laisser n'importe qui prétendre qu'il enquête de manière officielle.
S'il est d'accord, nous pourrons parler. D'accord. Bon, mais je vais aller voir comment je relève. Non, mais je m'en fiche de ton bazar des curiosités. Je vous promets que vous y verrez des merveilles. Calixto. Bon, on va faire cette quête maintenant qu'on y est. Donc, elle me dit d'aller voir le type. Ouais, qui est là, ouais. C'est bien ça. Au palais des rois. Valcruf refuse de nous donner une réponse claire. Hop là, Yorlef. Je ne suis pas un grand stratège, mais cela n'empêche pas le seigneur Unfric d'écouter mes conseils. Alors, quelque chose à dire, vous faites quoi pour le Jarl, cherche du travail. Alors, j'ai entendu parler des rumeurs. C'est bien difficile lorsque les hommes traquent leurs frères et sœurs comme des bêtes. Tous mes hommes sont déjà débordés. Si vous me proposez votre aide, je l'accepterai volontiers. Les gardes auront l'ordre de vous assister en cas de besoin. Moi aussi, je suis heureux de pouvoir prêter main forte autant que je peux. Vous pensez que je dois envoyer plus fort à Balgruf ? Voilà. Examinez la scène des crimes. Si par envoyer un message, vous entendez. Allez hop, on se tait. C'est où, Pimpin? Donc, examinez la scène des crimes. Alors, cette flèche, elle indique rien, en fait. Je connais les gens comme vous, toujours à rôder partout. Quand on examine la scène des crimes, il faut utiliser une torche, bien sûr, parce que forcément, c'est la nuit. Il faut suivre les traces de sang. Hop, une autre trace de sang. Ça, c'est une trace de sang aussi. Ça aussi. Non, c'est pas par là. Y a pas du sang par là? Si, ça c'est du sang aussi. Une trace de sang qui donne l'impression de tourner, non? Là, non. Là, il y en a aussi. C'est une trace de sang aussi. En fait, voilà. Faut arriver jusqu'à Yrim, la maison qu'on peut acheter ici. Examiner la scène des crimes. Rejoignez Yrim. Voilà. Donc, je suis arrivé. Il y a un garde, s'il y a un garde à côté, je demande l'aide du garde, s'il y a personne, je me débrouille sans... Bon, ben, il y a personne, hein. On va faire à 100. Hein. Niveau maître, hein.